tout le monde, sauf pour une vidéo dans laquelle je vous parlais mercato, vous en avez l'habitude. Dans cette vidéo, il y a 2-3 trucs que j'aimerais vous dire en amont. La première chose, c'est que je vais parler de 2-3 joueurs qui n'ont pas leur carte, voilà, leur photo. Moi, je me sers surtout des photos pour me mettre un fond, qui n'ont pas leur photo dans le jeu. Il y a un joueur brésilien et un jeune du centre de formation de Lyon, bah, en tout cas qui joue en N2, et il n'y a pas leur photo. Donc voilà, essayez de vous concentrer sur tous ces joueurs-là parce que. Les autres, j'ai leur photo, donc vous voyez de qui je parle. Là, essayez d'aller voir peut-être après la vidéo une photo sur internet, ou à moins que vous les ayez déjà vus, les deux joueurs-là. Mais il s'agit d'un joueur brésilien, voilà, et d'un joueur qui joue en N2 à Lyon et qui va être prêté dans un club. Donc là, je vais en parler assez rapidement pour que voilà, vous ayez un support pour les autres, au moins vous voyez les cartes. Et deuxièmement, je tiens vraiment à remercier vraiment toutes les dernières personnes qui se sont abonnées et voilà, qui m'ont commencé à suivre la chaîne. Vraiment, je vous en remercie. Parce que vraiment, ça me fait vraiment très très plaisir. J'ai jamais vu autant d'abonnements aussi rapidement depuis longtemps. Depuis que cette chaîne, maintenant, voilà, elle est consacrée vraiment à Lyon. Avant, voilà, il y avait un autre domaine. Maintenant, vraiment, je suis consacré à fond à Lyon. Et vraiment, je vois vraiment que vous êtes vraiment hype, surtout pour le mercato de Lyon. Je pense que ça va peut-être être le meilleur mercato depuis très très longtemps. Parce que là, il va y avoir beaucoup de grandes choses, de grandes manœuvres. En tout cas, c'est ce qu'a dit le président, donc président Aulas. Où je vais parler un petit peu de lui juste avant de commencer aussi les rumeurs. Donc vraiment, je remercie vraiment un maximum les gens qui ont partagé la vidéo, qui s'abonnent, qui like aussi. Vraiment, je vous en remercie. N'hésitez pas aussi à commenter, les gars. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire comme vous pouvez dire votre avis sur ce que je dis ou juste me dire je me suis abonné, voilà, ça me plaît, etc. Je vous en remercierai, les gars. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, vraiment. Je tiens aussi à dire ça aux autres ou bah, qui n'ont pas dit voilà, je me suis abonné, etc. J'aime bien. N'hésitez pas à le dire, les gars. Je vais juste vous remercier. Et posez-moi des questions si vous avez des questions au sujet de Lyon, j'y répondrai. Juste avant aussi de commencer les rumeurs, je tiens aussi à féliciter le président Aulas. Ça fait 35 ans, juste hier, ça faisait 35 ans qu'il fêtait les 35 ans de présidence de Lyon, depuis 1987. Donc j'ai plus le jour et le mois exact, mais ça fait vraiment 35 ans, c'est énorme, c'est le plus long de Ligue 1. Vraiment, c'est incroyable. Et je pense qu'il va être encore là pour quelques années. Peut-être, pourquoi pas se retirer aux 40 ans, peut-être, ça peut être un message. 40 ans, ça peut être extraordinaire. Après, aller plus loin, il y a aussi Bernard Lacombe qui a dit que peut-être qu'il durera encore 10 ans. 10 ans, c'est vraiment énorme. Surtout que lui avait dit encore 3-4 ans, quelque chose comme ça. Donc pourquoi pas. En tout cas, c'était un petit message avant de commencer les rumeurs. Bravo au président Aulas. Et j'espère vraiment qu'il y aura une grande saison. J'espère au moins pour lui parce qu'il le mérite quand même. Être 35 ans dans un club, c'est vraiment incroyable. Et on le remercie tous. Donc maintenant, on va commencer les rumeurs. Donc je vais aller assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc pour le penant, c'est Monsieur Aulas qui en a parlé dans une petite interview sur Beansport. Il a dit qu'il y aura une recrue pour les en tout cas qui dans l'équipe de France Espoir et ce serait lui. Il a même dit le penant. Donc ça devrait arriver dans les prochains jours. Donc pour moi, ça va être avant tout l'avant-dernière vidéo à mon avis sur le penant jusqu'à temps qu'il y ait sa signature officielle. Parce après je vois pas quoi dire à part pour combler une autre vidéo. Donc ça va être l'avant-dernière. Et donc maintenant, on a la confirmation que le penant va signer dans les prochains jours. Donc il y aura potentiellement une nouvelle conférence de presse pour présenter le joueur. Ensuite, j'ai laissé le petit trou justement pour parler des deux joueurs, pour en parler rapidement. Donc on va commencer par le jeune de Lyon N2, c'est Abdoulaye Ndiaye, qui est prêté sans option d'achat à Bastia. Donc justement, je pense que Bastia, ça peut être un bon contexte pour lui. C'est un jeune de 20 ans, je crois, qui va être prêté dans la défense à Bastia. Je crois que c'est un défenseur, il me semble, défenseur central. Et justement, à Bastia, ben, tu auras la pression. Une grosse, grosse pression, surtout en Ligue 2. Donc, si vraiment il arrive à s'imposer, pourquoi pas revenir en Ligue 1 à Lyon, déjà, tu auras accumulé beaucoup de temps de jeu. Parce qu'à Bastia, tu auras du temps de jeu, je pense, si tu es prêté et qu'ils te veulent absolument. Ou tu seras dans la rotation, tu auras déjà fait un maximum de matchs, tu auras la pression des supporters, ce que tu auras en Ligue 1 aussi avec Lyon. Donc, je pense, voilà, si vraiment il réussit à Bastia, c'est peut-être un message fort. Ça vous aura prouvé aussi qu'il a les moyens de tenir devant une grosse pression en Ligue 1, qui sera plus supérieure parce qu'il y aura des gros gros objectifs, encore plus qu'en Ligue 2. Donc pour moi c'est un bon choix, et surtout le prêter sans option d'achat, ça peut aussi lui montrer qu'on attend un truc de lui, et que voilà, il pourra potentiellement rentrer dans une rotation peut-être l'année prochaine, ça dépend s'il fait une bonne saison. Donc bonne chance à lui, à Bastia, pour la saison qui arrive. Ensuite, le deuxième joueur, c'est un joueur brésilien. Vous avez dû le voir hier, beaucoup de médias se sont emparés de ce sujet. C'est un joueur des Corinthians au Brésil, il s'appelle Duqueiroz. C'est un nom comme ça, Duqueiroz. Il a 22 ans, il joue milieu défensif, il peut jouer aussi milieu central, donc un peu plus haut en 8, et il peut jouer aussi arrière droit pour dépanner.
Donc voilà, c'est un profil atypique, polyvalent. J'ai regardé un petit peu de compilation de lui, parce que honnêtement, je ne sais pas qui c'est qui le connaît, moi en tout cas, je ne le connais pas. Et j'ai vu honnêtement que c'est un profil un peu. Voilà, j'ai un peu le comparer un peu à Cacré. Ça va vite sur l'homme, ça va vite sur le ballon, ça fonce sur le bonhomme. Et je trouve qu'il est encore plus costaud que notre milieu de terrain, que tous les jours qu'on a mis le terrain. Franchement, il y a des joueurs brésiliens qui ont essayé de lui rentrer dedans quand il avait le ballon, etc. C'est plus eux qui tombaient ou qui volaient, tout en restant debout. Parce que honnêtement, il a un gabarit pour sa taille, je crois qu'il fait 1m72, mais il est hyper costaud. Quand il tombe en fait par terre, c'est lui qui jette au sol ou quelque chose comme ça. Parce que honnêtement, les autres, ils ont tellement de mal à le bouger. Franchement, ça m'a impressionné. Après, j'ai pas trop vu grand-chose aussi au niveau de sa frappe de balle. J'ai juste vu une fois qu'il a enroulé pied gauche. Franchement, il a, je pense, un bon enroulé, etc. Donc ça peut peut-être faire une différence. En tout cas, cette année, il a pas encore marqué de but. Il a fait deux passes décisives. J'ai l'impression que au niveau de son style, en tout cas sur les extraits qui est montré, parce que voilà, les compilations, c'est ses meilleurs moments, il est souvent hyper haut et hyper bas. Je sais pas, je l'ai pas trop vu dans le cœur du jeu. Donc voilà, c'est un qui se projette très très vite, qui redescend très très bas. Donc on peut le comparer à un Paqueta, il a peut-être pas la même qualité. Ça, je le. Voilà, pour se comparer à un Paqueta, vraiment, faut vraiment être très très fort. Mais vraiment, il a ce profil à la Cacré, peut-être être meilleur que Cacré, je pense. Vraiment, il est vraiment hyper hyper fort, j'ai l'impression. C'est vraiment pour moi un déménageur. Si vraiment je le compare à quelqu'un, ça déménage au milieu de terrain. Il est hyper agressif, il prend pas trop de cartons, j'ai l'impression, parce qu'il fait vraiment des interventions vraiment hyper hyper fortes. Un peu le Tchouaméni en équipe de France. Si vous avez vu vraiment les interventions de Tchouaméni, c'est sur le ballon, c'est dur, mais c'est une bonne agressivité, c'est pas de l'agressivité méchante. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu un peu de lui. Honnêtement, c'est prometteur. Après, je crois qu'il vaut 2,5 millions d'euros et il lui reste 2 ans de contrat. Donc, j'ai vu qu'on n'est pas les seuls aussi, on n'est pas les seuls sur le dossier. Il y a plusieurs écuries européennes. J'ai pas vu trop les noms. En tout cas, il y a Lyon parce que voilà, ça a été dit par la presse. Mais honnêtement, ça va jouer pour entre 5 et 10 millions, je pense, parce qu'il lui reste 2 ans de contrat. Il commence à être reconnu un peu dans le championnat brésilien. Il joue beaucoup, beaucoup de matchs. Honnêtement, ça peut être un bon profil. Alors pourquoi pas essayer de le recruter pour laisser encore un an peut-être. Au Brésil, ça peut être une bonne option. Après, je sais qu'on a fait ça avec Camilo, et Camilo, voilà, on n'a pas trop de nouvelles, etc. On sait qu'il joue beaucoup, mais est-ce qu'il va performer et revenir à Lyon? Mais en tout cas, Duqueiroz, il m'a beaucoup impressionné, en tout cas sur les extraits. Maintenant, on va passer pour Bailly. Donc Bailly, voilà, je voulais en parler parce que j'ai vu aussi quelqu'un qui en avait parlé, comme quoi Lyon, Marseille serait dessus. Mais je vais essayer de clarifier la chose sur Bailly, pour plus trop en reparler, à moins que je me trompe. C'est que, en fait, c'est des rumeurs d'agent pour moi. C'est une personne qui s'est totalement trompée sur son choix d'United. Il est tout le temps blessé ou il fait des matchs très très moyens. Donc pour moi, c'est une rumeur d'agent. Il l'envoie tout le temps. Je sais pas si vous voyez qu'il y a toujours, quand Lyon est sur un sujet ou Marseille est sur un sujet, pardon, il y a toujours l'autre Olympique qui se met dessus. En fait, pour moi, c'est surtout des rumeurs d'agent. C'est vraiment ça. Parce que le penant que Lyon a bouclé, Marseille, ils ont quasiment rien dit dessus. Alors que ils étaient toujours voilà, à se mettre l'un sur l'autre, on va dire, les clubs. Et finalement, non. La Cacré, pareil. Ça s'est directement fait en très très peu de temps avec Lyon. Alors que Marseille, ils ont dit, ouais, ça avance bien, etc. Et au final, il n'y a rien eu. Donc pour moi, voilà, c'est souvent des rumeurs d'agents. Et j'ai peur que Bailly, il finisse même pas dans le championnat de Ligue 1 et peut-être rester peut-être jusqu'à la fin de son contrat à United. Donc voilà. C'était vraiment pour clarifier la chose au sujet de Bailly. Pour moi, c'est une rumeur d'agent. Et voilà. Pour moi, c'est du vent. C'est un peu comme Dybala, la rumeur qu'il y a eu l'autre fois. Voilà. Donc pour ceux qui ont vu l'info là, pour moi, oublier là, il reviendra jamais. Ensuite, je vais juste vous mettre Awar là pour vous parler de Gonalon à la fin. Donc Awar, j'ai vu qu'il y avait les deux Séville maintenant qui étaient dessus, parce qu'on savait qu'il y avait un peu le Betis Séville, je vous en avais un peu parlé. Et maintenant, il y aurait aussi le FC Séville. Donc pour moi, c'est peut-être la meilleure option pour lui, en vrai. Parce que pour moi, c'est un profil d'équipe qui pourrait convenir à son jeu. C'est-à-dire avoir souvent le ballon, être voilà, peut-être une équipe agressive, peut-être lui redonner le goût un peu de jouer au foot, parce qu'à Lyon, honnêtement, il y a beaucoup de supporters voilà, qui en ont marre un peu parce qu'il défend plus trop. Donc il a même été placé en 6 pour qu'il réapprenne, pardon, voilà, ça va arriver, à défendre. Parce que voilà, on dirait qu'à Lyon, maintenant, dès qu'il est un peu plus haut, bah, il fait plus l'effort, etc. Donc peut-être que surtout dans le championnat espagnol, ça pourrait peut-être plus te convenir. Ça pourrait être cool pour lui. Donc voilà, je voulais un peu en parler un peu de lui, qu'il y avait des nouvelles offres. Et j'espère qu'il trouvera preneur. Et peut-être le meilleur choix pour lui. Mais en tout cas, on va espérer surtout, côté lyonnais, en tirer un maximum pour pouvoir réinvestir sur un autre joueur. Donc voilà pour Aouar. Ensuite, on va terminer la vidéo par Gonalon, qui voilà, est associé à Lyon, un peu parce qu'il voulait revenir à Lyon, voilà, pour un peu terminer sa carrière et voilà, revenir un peu parce qu'il y a la Cazette, il y a eu Tolisso, voilà. La Cazette, c'est fait, Tolisso, c'est voilà, c'est quasiment fait, mais voilà, je ne vais pas trop m'avancer.
Et Gonallon, voilà aussi, voulait revenir pour voilà, encadrer un peu les jeunes, pour que le club retrouve un peu de sa splendeur. Et final, Gonallon, bah, c'est Clermont qui est dessus et que ça serait quasiment fait. Et il y a aussi Zéphane, donc voilà, je ne l'ai pas mis parce que voilà, il n'y a plus cette place. Mais Zéphane, l'ancien joueur, notre ancien arrière-droit algérien qui a gagné la CAN 2019, lui a signé à Clermont. Donc voilà, Clermont va peut-être récupérer deux anciens Lyonnais. Et donc Gonallon, la piste, elle est totalement cuite parce que voilà, normalement, il va signer à Clermont dans les prochains jours. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires un peu votre avis sur le penant, est-ce que vous êtes content? Parce que là, c'est le président qui l'a officialisé sur beansport, dans une petite interview. Votre choix sur votre avis sur Duqueiroz, le jeune Brésilien qui est pisté, si vous avez vu l'info. Après, il y a aussi voilà, les jeunes joueurs comme Ndiaye, la piste Bailly, à mon avis, je sais pas si vous allez trop en parler. Mais pour moi, comme j'ai dit, c'est une petite rumeur d'agent. Aouar, est-ce que vous souhaitez un départ ou est-ce que vous souhaitez le garder, sachant qu'il est toujours à Lyon? Et votre avis sur Gonalon, peut-être Stéphane, voilà. Dites-moi dans les commentaires. Je vous lirai et encore, je vous remercie encore énormément pour tous vos abonnements et les nombres de vues sur les trois dernières vidéos. C'est vraiment incroyable. Je vous en remercie. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao les gars.